L'urgence climatique et la météo extrême provoquent souvent la propagation de désinformation en ligne. Et les récentes vagues de chaleur couplées à la sécheresse dans le sud de l'Europe ne font pas exception. En France, cette photo de la Loire, le plus long des fleuves du pays, est rapidement devenue virale. On y observe le lit du cours d'eau à sec, traversé par un pont. L'auteur du cliché est un photographe du journal Ouest France. Cette image a beaucoup circulé en ligne, au point que des internautes ont affirmé que la Loire était à sec pour la première fois depuis deux millénaires, ou encore que son débit avait atteint son plus bas niveau historique. Les débits des grands fleuves européens sont effectivement très faibles. Dans le cas de la Loire, il est actuellement au plus bas niveau depuis l'installation de barrages sur son cours, dans les années 80. Mais il est faux d'affirmer que le fleuve est à sec pour la première fois depuis 2000 ans. Et cette photo éclipse le contexte dans lequel elle a été prise. Nous avons utilisé des outils en open source pour localiser précisément le lieu où le cliché a été pris. Celui-ci se trouve entre Angers et Nantes. Comme vous pouvez le voir, le lit du fleuve se divise en deux bras. La photo avec le pont montre la partie au nord. Ce bras septentrional s'est donc retrouvé à sec. Et même si la sécheresse est particulièrement forte cette année, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Des images satellites permettent en effet d'observer que la Loire continue de s'écouler au niveau de son bras méridional, certes plus étroit qu'habituellement, mais sans interruption. De part et d'autre de ce bras, d'autres parties du fleuve s'assèchent, laissant leur lit à l'air libre. Le quotidien Ouest France a publié une autre photo du même lieu. En arrière-plan, on y distingue le deuxième bras de la Loire, qui continue de s'écouler, même si le premier bras, lui, est bien à sec. Et ce n'est pas une première. L'expert du climat français Thibault Laconde a partagé plusieurs images du même lieu prises en mai 2011 qui montrent le bras nord de la Loire à sec. Thibault Laconde, comme d'autres experts, a fait part de son inquiétude quant au niveau de la Loire, à certains endroits au plus bas depuis 1976. Pour autant, il est faux d'affirmer que le fleuve était entièrement à sec pour la première fois en 2000 ans. Certains internautes ont sorti cette photo de son contexte, ce qui a eu pour conséquence d'en détourner le sens.